On est ici au hôpital général de Kinshasa. Je suis arrivée en mars 1952. J'ai demandé à nos supérieurs et à la congrégation de m'occuper en priorité pour les indigents. Nous devons les aider, comme missionnaires. Sœur Angèle a été un ami proche de la Gertler Family Foundation depuis sa création. Sœur Angèle, de nationalité belge, possède une connaissance approfondie des soins de santé et d'autres besoins de la population. Elle recommande des projets à la Fondation et des organisations qui sont d'excellents candidats pour le financement. On demande et ils sont directement d'accord pour nous aider parce qu'ils connaissent la situation. C'est la sœur Angèle qui nous a dit qu'il y avait un centre où il y a des enfants très très malades. Nous avons construit une paillote parce qu'on a trouvé que les enfants étaient dans une paillote qui était sur le point de s'écrouler. Nous avons donné une jeep pour que les sœurs puissent prendre les enfants malades. J'étais très touchée de voir que dans ce monde, il y a des personnes aussi si généreuses que dès que vous leur parlez de votre souffrance, ils vous aident. Les sœurs de Mama Yemo qui m'envoient toujours, il me dit, je vous envoie quelqu'un, père, parce que je veux que vous souffrez beaucoup. Quand ils ont entendu ça, ils ont pris contact avec Père Hugo. Avec ça, vraiment, est un soulagement pour nous tous et un bien pour les enfants. On ne peut rien faire, hein, quand on n'a pas de dons d'ailleurs. La sœur Angèle s'est dévouée, elle s'est donnée vraiment corps et âme pour ce service. Et c'est comme ça qu'elle nous a, elle a donné aussi à nous, ce jeune sœur, ces goûts-là et le courage de continuer. C'est une maman pour moi, c'est une maman. Elle me produit beaucoup de conseils. Donc, et ces conseils, ça m'aide à grandir dans ma vie. Oui, oui, je voudrais faire la même chose. Si je devais revivre encore la même chose, pour moi personnellement, oui. Je suis très contente de ma vie, et de ma vie missionnaire et de ma vie comme infirmière ici. Hein? Hein? Ça c'est votre vie. Ça c'est notre vie. Oui. C'est une belle vie, hein, comme missionnaire.